le péage qui semble est de 7,25, donc c'est la proposition C. Alors, le ou la les systèmes tampons intracellulaires et ou sans les phosphates organiques. Là, elle est l'organique commun intracellulaire ou l'inorganique extracellulaire. L'évitable, la désoxyhémoglobine, lui, c'est un tampon de, des hématies, et l'oxyhémoglobine. Donc, A, C et D. L'air, c'est un tampon, bien sûr, rénal. Est tamponné par le HPO4 moins moins.
comme en cas d'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie, c'est un PPH, ou la PPH qui est la réabsorption de phosphate au niveau du muscle proximal. Alors, ça accompagne de l'expression de HCL3-, les RAS, c'est une régénération, et quantitativement la forme la plus importante d'élimination de H+, dans les PC. Pour maintenir l'équilibre acido-basique normal, chaque jour, l'expression de H+, doit égaler celle de la quantité de bêta filtré. L'expression de bêta, non, la somme des acides fixes produits est ingérée. L'expression d'acide électral, non, la quantité de H+, filtré, non, donc uniquement l'acide. L'expression de H+, sous forme de NH4+, s'accompagne d'une régénération de bêta, et stimulée par l'hypokaliémie. Et quantitativement faible, non, 2/3, diminue en cas d'hyperventilation. Est-ce qu'elle diminue en cas d'hyperventilation? L'expression. Allez, je vais étudier, utiliser pour tamponner
les acides fixes ajoutés. Une régénération de Picard. Une diminution de l'amnogenèse, non. Une baisse de l'acidité titrale, non. Dans A, B et C. La réabsorption des bicarbes filtrés est un mécanisme saturable. On peut dire oui. Permet l'excrétion urinaire de la charge journalière d'ion H plus fixe. Non, c'est pas le vide, c'est le régénéré. Et normalement, virtuellement total. Oui. En fait, virtuellement total. 0,5 à 1,9 m. Et stimulé par l'hypovolémie qui induit une alcalose. Oui. Et le mécanisme de correction des acidoses métaboliques. Non. Les propositions, je suis sans A. Alors, on relève dans le sang artériel la pression des valeurs suivantes. pH 7,52, pHCO2 20, Bicar 16. Quelle est parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui s'applique le mieux à ce patient? D'ailleurs, je peux vous prendre un mot. Alors, il a une concentration de calcium ionisé 120 ABC. Allez, à la fin, il y a une concentration d'ion H plus est diminuée, pH théo-alcalin. Donc, moins de H plus liées aux protéines. Rapport à les protéines liées les ions H plus. Comme H plus, merci. Donc, moins d'ion H plus lié aux protéines. Donc, on parle des protéines libres qui vont lier quoi? Le calcium. Donc, le calcium lié aux protéines va augmenter d'une baisse du calcium ionisé. C'est bon. C'est la seule d'ailleurs proposition que je fais. Je passe à la question suivante, 16. On trouve chez une femme qui se plaint d'une diarrhée sévère les valeurs suivantes. pH 7,25, pHCO2 24, Bicar 10. Donc, acidose métabolique. Anna, perte de Bicar par perte gastro-intestinale. Diarrhée. Les échantillons du sang veineux manquent. Les échantillons du sang veineux manquent une baisse de la calémie et un taux anémique. Pardon, anémique normale, un trouble anémique normal. Alors, on va diagnostiquer chez cette patiente une acidose métabolique. Il y a une proposition de la diarrhée anti-acidose métabolique. Il y a un trouble anémique normal, minérale, acidose minérale, acidose métabolique minérale. Alors, parmi les propositions suivantes concernant cette patiente, c'est plus correct. Elle est hypoventile. Non. Non. La baisse du bicar est due à la perte de bicar dans le liquide de diarrhée. Alors, proposition C, s'il vous plaît. La baisse de la concentration de potassium du sang est due à l'échange, de H plus intracellulaire contre K plus extracellulaire. Et via la proposition, le reste est face à. Ajoutez, arrêtez-vous, proposition arrêt. La baisse de la concentration de potassium du sang est due à l'échange de H plus intracellulaire contre K plus extracellulaire. Les phosphos. Rappel d'ailleurs. La baisse de K plus du sang est due à la baisse des taux de l'ADH circulant. C'est beau. La baisse
de ta prise du sang est due à la baisse des taux d'aldostérone circulant. C'est au plaques, l'aldostérone, elle va augmenter au rire, qui va entraîner une sécrétion de ta prise. Donc, il y a uniquement la proposition B qui est correcte. Je passe à la question suivante. Un patient arrive aux urgences avec une PA basse, une perte de l'élasticité des tissus et les données suivantes. PA 7, 69, Vita 57 et PA CO2, 48. Préciser parmi les propositions suivantes celles qui sont exactes. C'est un sujet d'après Bouchard. Alcalose métabolique. Donc, alcalose métabolique. Le sujet, hypoventilation. Oui, c'est grave. Une alcalose métabolique avec compensation respiratoire. C'est grave. La trouble du pH. Au système d'enfant. Qui le trouble n'est pas important. T'en penses sinon, notre vue pulmonaire, ou pas dans notre rénal, dans l'ordre chronologique, où le rénal fraîche de quelques jours, quelques heures, elle n'intervient pas rapidement, elle peut durer quelques jours. Elle aboutit ou elle n'aboutit pas, renouer, le tampon, le débarras, un bilan, avec un dégât du sang, et le tampon n'est pas suffisant, peut-être le ventilateur, peut-être le respirateur, ou de garder le rénal. Terre comme la compensation rénale. Mais elle est allée de la positivité. Alors, une baisse de la sécrétion de la plus par le tube distal. Non. Mais je ne pas plus la baisse de la plus par le tube distal. Allez, amis. Pour nous, il résonne. Elle est là où vous devez résonner. Il garde la tête. Il y a le pH. Vous devez résonner baisse de la pH. Ah, vous avez la baisse de la PA. Est-ce que la suppression de potassium est en train de diminuer? Elle va augmenter rapidement la baisse de la PA. Il va y avoir le mécanisme régulateur de corps. Alors, on va déjà à ta perte de l'élasticité. Donc, il est dans un état de déshydratation. Donc, le PA est au fait. Ah, la régulation nerveuse et hormonale où ne sont pas suffisantes. Donc, il faut perfuser ce bonhomme. Non seulement il faut corriger la déshydratation, la baisse de la PA, mais tenir compte de son équilibre acido-basique. Et il faut faire le nécessaire. Donc, une augmentation du rapport H2PO4 moins HPO4 2 moins. Non. Un échange. H plus intracellulaire contre H plus delta plus extracellulaire. Donc les propositions justes sont A et B.